Ma chérie, tu es si belle. Maman, papa, j'ai faim. Bien sûr, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Rends-moi ça. J'en ai marre de cet or. Je veux du sang normal. Mais où est-ce qu'on peut l'obtenir? Rends-moi ça. Maintenant, où sont tes parents? J'en ai pas. T'as fait peur à notre fille. Pars d'ici. Je suis désolée. Pense à quelque chose. Voici la nourriture. Où ça, la nourriture? Là. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, on veut... M'adopter? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore mieux, nous la mangerons à la maison. Allez, mon enfant. Vas-y. Je vous rattraperai. Oh, waouh, c'est ma maison maintenant. Enfin, on peut la manger. Je pense qu'elle est pourrie. Nous devrions la jeter. Ne te précipite pas pour la jeter. On va la laver et faire de la soupe. Ou mieux encore, on la fera bouillir pendant qu'on la lave. Où est-elle? Oh, il faut qu'on la trouve. Où est-elle? Elle n'a pas dû aller bien loin. Regardez tous ces vieux trucs que j'ai trouvés. Maintenant, souviens-toi que tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit ici. Va dans la salle de bain. Waouh! C'est une piscine entière. J'ai jamais vu une salle de bain comme ça. Enfin. Et si on l'a congelée et qu'on l'a mangeait comme de la glace? On va plutôt la faire rôtir. Alors, vous allez me donner un bain ou quoi? D'accord. De la soupe. Je veux de la soupe aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Un bain relaxant? Le concombre est excellent pour soulager la fatigue et les carottes te rendent la peau douce. Je pensais qu'un bain de sel était relaxant. Mettons du sel dedans. Où est le sel? Je pensais que tu l'avais apporté. Il fallait que tu l'apportes. Pourquoi il fallait que ce soit moi? J'ai un peu trop chaud. Il est temps de sortir. Où est-elle allée? Peut-être qu'elle a bouilli. J'ai trouvé des vêtements propres ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça te va très bien. Peut-être qu'on va manger. C'est une excellente idée. Tu manges la nourriture et nous on te mange. C'est très drôle. Tout cela a l'air délicieux. Comme ça, on la mangera jamais. Cindy, non. Assieds-toi. Je mords en premier, d'accord? Ok, c'est bon, laisse partir. Il manquait de l'ail. C'était vraiment délicieux. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, comment sommes-nous censés la manger maintenant? Elle sent l'ail. On peut attendre que l'odeur disparaisse. On la met au lit et on la mange. C'est parfait. Chérie, peut-être que tu es fatiguée et que tu veux dormir. Ouais, ce serait super. Super, on va te montrer sa chambre. J'ai ma propre chambre. Voici ta chambre. Waouh. Il y a tout ce dont je pouvais rêver. Très bien, ça suffit. Il est l'heure d'aller au lit.
Oh, mais je veux pas dormir. Pourquoi ne pas jouer? Et après ça, t'iras dormir. Je vous le promets. Oh, non, ça n'arrivera pas. Mais juste un match. Deux parties, s'il vous plaît. Non. S'il te plaît. D'accord. Ouais. Wow. Oh, je t'ai eu. Maintenant, place à la partie suivante. Ouais. Vous avez vu ça? Oh. Je vais me taire. Oh, elle est si mignonne. Mignonne? En fait, c'est notre nourriture. Tu as menti pour que je ne la mange pas. Il est temps de la manger. Oups. Bon, comment on fait pour entrer maintenant? Pourquoi ne pas frapper à la porte? On pourrait demander à une sorcière de venir et elle nous ferait entrer. Ou on pourrait l'attirer avec des bonbons. Maman, papa, c'est vous! Entrez donc! Les dames d'abord. Je t'avais dit de frapper. Qu'est-ce que vous faites? Peu importe, regardez ce que j'ai fait. C'est bien ce que je pense. J'ai fait un piqué de fourche. C'est pas génial? Ils n'aiment pas ça? Ils sont bizarres. Enfin! Ça fait longtemps qu'on attend ça. Oh, elle est si mignonne. C'est ça, oui. Comment on peut la manger? Qu'est-ce que c'était? T'agissais bizarrement. Moi, j'agis bizarrement. Toi, tu agis bizarrement. Ça suffit. Il faut qu'on la mange. Et tu veux aussi lui acheter un tas de robes et de peluches? Alors, qu'est-ce qu'on attend? Maman? Papa? On dirait qu'il n'y a personne ici. Je devrais donc me cacher et leur faire peur. Je vais me cacher ici. Oh, je me demande ce qu'il y a là-dedans. J'espère que ça lui plaira. Des vampires! Cindy, ma chérie, calme-toi. Si vous voulez manger, mangez-moi, mais dépêchez-vous! Du calme. On ne va pas te manger. En fait, on voulait le faire, mais on a changé d'avis. Vous n'allez pas manger, n'est-ce pas? Non, parce que tu es notre fille. Mais si je suis votre fille, alors je dois aussi avoir des crocs. Tu le veux vraiment? Oui. Très bien, on y est. Va-t'en. Oh, oui. Oh. Où ça? Ah, ici. Et tu es toujours là. C'est si bon d'être une élite. Mon rêve est devenu réalité. Je suis étudiant dans une école d'élite pour vampires. Mais
Mais je ne suis pas une vampire. Un jour, je le serai. Hein? Ah, 100 $ ? Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour. Allons-y. Qui je suis? Où est-ce que je suis? Ah, c'est ça. L'école. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy. Est-ce que quelqu'un a demandé une femme de ménage? Silence! Eh bien, bienvenue à l'école d'élite des vampires. Cindy... J'avais vraiment hâte d'arriver ici. Attends, fais-moi voir tes crocs. Ah, des crocs? Ah oui, s'il te plaît. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elle n'est pas un vampire. Oh. Un vampire. Les crocs n'ont juste pas poussé, c'est tout. Assieds-toi. Oh. Ah. Quoi? Tu es allergique à la richesse? Quelle grimace! C'est pas grave, on va se faire des amis! Et ça deviendra plus facile à partir de maintenant. Ou pas? Ok. Le casier des riches. Et tu es pauvre! Mais j'ai 100 $! C'est de la poussière. Qu'est-ce que je suis censée faire? On va t'aider. On prend. Donne-moi ça. C'est à moi. Touchdown. Regarde ce que je peux faire. Oh. Tu n'as manifestement pas assez de vitamines. Pourquoi vous me faites ça? Tout d'abord, tu es pauvre. Deuxièmement, tu n'es pas un vampire. Et troisièmement, remercie-nous de t'avoir trouvé un casier déjà. Au fait, où est maman? Je suis un vampire. C'est Mademoiselle Candace qui l'a dit. Tu es un épouvantail. Oh, regarde cette souris. Un rat. Un rat. Pas toi. Oh. Ah, le prof. On y va. Cindy, je ne suis pas surprise. C'est indécent de fouiller dans les poubelles. Mais Mélissa a jeté mes affaires. Personne n'a dit que ce serait facile. Si tu n'aimes pas, tu pars. Je veux rester. Ça ne va pas être facile. La leçon est dans 2 minutes. Aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour. On va commencer la leçon. Mélissa, tu commences. Avec plaisir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu verras. Oh, 100 $! Oh, 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 encore plus. Ah. Oh. Alors ça c'est de la chance. Je peux? Tu peux. Oh oui, je suis riche. Vous avez dit quelque chose? Ça, c'est mon ami. Wow, c'est trop cool. C'est fait. Pas mal, Mélissa. Assieds-toi. Donc, où est notre invité? Oh, tu es là. Sors, sors de là. Comme toujours. Comme toujours.
Bon travail. Très bien. Assieds-toi. Mange. Ewald sera le suivant. Non. Non. C'est au tour de Cindy. Moi... Et si je regardais... J'ai dit Cindy! J'arrive. Alors? Bonjour. On va commencer. Bouh! C'est drôle. Loser. Quel faible. Attends. Bravo, mademoiselle Candace. Candace, vous êtes la meilleure. Cindy. F. Est-ce que je peux réessayer? Oh, tu ne fais pas un bon vampire. Mais tu es un excellent clone. Regardez mon déjeuner aujourd'hui. Bon appétit à moi. Je n'aimais pas sa façon de jouer. Quelle odeur! Ça manque de sel. C'est affreux. Est-ce qu'il y a de la nourriture normale ici? C'est vivant? Tu as choisi... un burger ou une pizza? Dégoûtant. Il n'y aura jamais de fast-food dans ma salle à manger. Prends la langue, elle est fraîche. Merci, j'ai pas faim. Qu'est-ce que je suis censée manger, là? Oh, je crois que j'ai pris quelque chose. Ça, c'est différent. Et en plus, c'est comme ceux des vampires. Sally? Ne me mange pas! Mais j'allais pas le faire. T'en vois un peu? Non. Bien, comme tu veux. Ah, où est-elle? Cache-moi! Pourquoi? Maintenant! Ah, ok, va en dessous. Est-ce que t'as vu mon déjeuner? Non. Ok. Où es-tu? Je vais te trouver de toute façon. Elle est partie. Oh! Merci. Quand tu veux. Oh, je dois aller en cours. À plus. Elle est gentille. Elle a juste des problèmes avec sa nourriture. Oh, la voilà! Attrape-la! Wow! Qu'est-ce qu'on a là? C'est dégoûtant! Attends-moi! Vous êtes prêts, les enfants? Oui! Oui! Aujourd'hui, nous avons un test!
Vous pouvez commencer. Oh non, ça avait pourtant si bien commencé. Mademoiselle Candace, on peut remettre ça demain? Tu pourras poser cette question demain. Pour l'instant, écris. Il devrait certainement y avoir des réponses sur la table. Oh. Je connais déjà tous tes tours. N'est-ce pas, Ewald? Je te le rendrai plus tard. Mélissa, j'espère que tu es à l'aise ici. Laissez-moi sortir. Est-ce que vous savez au moins qui je suis? Oh, ce grincement. Cindy, as-tu des crocs? Oui, je les ai faites moi-même. Vous aimez? Oh. Parfois, il est très utile d'être un humain ordinaire. Quoi? Oh, dis-moi, comment t'as fait? Ah, ça! Ce sont des crocs de tricheurs. Tu veux que je t'en prépare? Cindy! Oh! Bonjour! Mes crocs sont tombés. Ça devait être des dents de lait. Oh. Oh. Oh, wow! Wow! Oh. Elle a de nouveaux crocs. Ah, oh, oh. Cool! Oh. Trop cool! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh. Wow! Génial! Hé! Hey. Oh! Wow! Ils sont tellement dorés, j'ai envie de les toucher! Non! Oh, non! Touche pas! Respire pas! Et regarde pas! Mais je voulais vraiment regarder! Oh! D'accord, d'accord, alors. Tu peux regarder. Oui, mais seulement avec les yeux bandés. D'accord. Maintenant, tu peux toucher. Mais je vois rien! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, 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 je crois que je vois quelque chose. Et je vois quelqu'un qui n'est pas en classe. Oups, c'est une jolie chaîne. Bon, j'ai fini. Oh, oh. Bonjour. Je voudrais ces crocs en or. 10 000 $. Mais j'ai que 10. Eh bien. Oh. Où vais-je trouver 9 999 $ de plus? Oh. Et après tout, je suis dans une école riche. Oh. Hey. Oups. Oh. Pas cher, quelques milliers de dollars. Ouh. Oh. 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 Merci. Oui. Merci. Eh, des crocs en or. Oh. Oh. Eh bien, c'est par là que tu aurais dû commencer. Mon moment de gloire est sur le point de commencer. Waouh, t'as vu ça? Oh, c'est incroyable. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, je suis aussi comme vous. Waouh, ça c'est de l'esprit. C'est ouf. Ce sont des diamants, hein? Les dents en or appartiennent au passé. Les strass sont à la mode maintenant. Comment est-ce possible? Cindy, qu'est-ce que t'as là?
Oh. Oh. Je suppose qu'être riche n'est pas mon truc. C'est mon rêve. Je pourrais être le vampire de l'année. Wow, Cindy, je te félicite. Tu es le vampire de l'année. C'est incroyable. Une photo? Tu n'entends pas? Dégage de mon chemin. Quoi? Oh, désolé. Comme toujours, le gagnant est déjà connu. Tu peux démolir tout ça. En fait, je voulais aussi participer. Toi? Bonne chance à toi. Crois-moi, tu en auras besoin. Bouh. Oh, t'as compris. Oh. Non, je vais faire en sorte que ça marche. Voyons ce qu'il y a dans mon casier. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça va être utile. Ça aussi. Pas par là. Regarde, une poubelle par ici. Allez, viens. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est mon casier, pas la poubelle. Allez, viens. Que je vais porter pour le concours maintenant. Bien que... Hop, il est temps de changer. Cindy, tu es prête? Non, enfin, je veux dire oui. Le concours Fais-moi peur si tu peux commence tout de suite. Tu es fini. Moi? Oh, moi? Oh, non. Cindy. Quoi? Cindy quoi? Oh, rien. Elle dit que c'est fini pour toi. Ah, j'ai compris. Premier round. Bouh! Oh! Oh! Ouh! Mélissa, un point. Et Walt et Ashley, 0 point. Le dernier round. Cindy doit faire peur à Mélissa. Quoi? Quoi? Que la bataille commence! Il est l'heure de rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je savais que tu étais un vampire. Cindy! 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 Tu es devenue non seulement un vampire, mais le vampire de l'année! Ah, c'est un rêve! On prend une photo? Ouais! J'ai faim! Et j'ai plus faim que toi! Non, j'ai plus faim! Les filles, ne vous battez pas.
Il y a assez de nourriture pour tout le monde. Assez pour tout le monde sauf toi. Je reviens tout de suite. Allez, Cindy, tu peux le faire. Au moins maintenant, tu vas manger et tout oublier comme dans un mauvais rêve. Qu'est-ce que c'est? Encore négatif. Oh. Bonjour. Bonjour. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Une fille s'est enfuie de l'orphelinat. Vous l'avez vue? Eh bien, c'est... La voilà. Cette fille ne s'est pas enfuie. On l'a adoptée. Oui, oui, on l'a adoptée. Où est la paperasse? Ici. Remplissez ça vous-même. Compris. Au revoir. Merci de m'avoir couverte. Je peux y aller. Eh bien, bonne chance. Où vas-tu aller? Tu vas vivre ici. Vous m'adoptez vraiment? Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu dois être fatiguée. Il y a ta chambre là-bas. Ok, bon, je m'en vais. Elle trouvera le chemin, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, c'est un zoo. La 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 la. C'est un spa pour les domestiques, ok? Oui, oui, pour les domestiques. Mais ne le dites pas à papa et maman. Waouh! Oh, un cinéma à domicile! Je pouvais même pas en rêver! Je veux des dessins animés! Je pense que je suis restée ici trop longtemps. Eh bien, on peut passer à autre chose. Je suis enfin arrivée. Mais tu n'es pas un chien. Quoi? Je suis une fille, Cindy. Je parle du chien. C'est la chambre de mon chien. Tiens. Eh bien, je dormirai dans le couloir, alors. Ne t'inquiète pas, ta chambre est juste un peu plus loin. On y va? Eh bien, nous y voilà. Voici ta chambre. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. Je vous remercie. J'aime beaucoup cet endroit. Nous en sommes ravis. Bonjour, mademoiselle Cindy. Votre eau. Merci. Mais c'est pas comme si je l'avais demandé. Les pantoufles les plus douces pour vous, mademoiselle Cindy. Mettons vos chaussures. Allez, vous n'êtes pas obligée de le faire. Quelle gentille fille. Ah oui. Voulez-vous une coupe de cheveux, mademoiselle Cindy? On va faire en sorte que ce soit parfait. C'est un peu bizarre. Mais je suis une fille de millionnaire maintenant. Nanana. C'est parfait. Bon appétit, mademoiselle Cindy. Merci. Hé! Les filles de millionnaire ne devraient pas se salir les mains. Est-ce que je vais faire quelque chose moi-même? Bien sûr que oui. Vous serez riche et vous profiterez de la vie. J'aime bien ça. Oups. C'est pas grave. Waouh! Oui, oui, le contrat doit être signé dans la journée. Il est temps de licencier ce designer. Je crois qu'on a un voleur sur les bras. Qu'est-ce que c'est? Des rideaux? De la chambre d'enfant? Je vais appeler la police. Je suis
aussi riche que maman maintenant. Bonjour, maman. Je jouais. Bien joué, Cindy, mais allons chercher des vêtements qui ne sont pas faits à la main, d'accord? Voyons ce qu'il y a dans ta valise. Ce sont tes vêtements. Oui, toute la chambre était jalouse de moi. C'est joli, hein? Ça ne marche pas comme ça. Viens avec moi. Ma fille doit porter les meilleurs vêtements. Tiens, c'est mon préféré. Hein? Oh, cool! Charmant, il manque quelque chose. Des chaussures. Ok. Ça craint un petit peu quand même. On va trouver une autre tenue. Waouh! On a trop de choses chères dans notre maison. On va pas faire ça non plus. Maman, je veux cette robe. Comment tu fais? D'accord, mais n'oublie pas que tu es une fille riche. Au travail. C'est fait. Maman, je te ressemble maintenant. Bien sûr que oui. Combien ça va coûter? 7 ou 10? Quoi? 10 dollars? Pourquoi si peu? Prends 1000 dollars! Mais j'ai pas besoin d'argent! J'ai besoin de résoudre ce problème! Bonjour! 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 L'événement commence à 20h! Maman, aide-moi à faire mes devoirs! Vous allez voir mon manager! C'est ma fille. Ma fille, ne pleure pas. Ne pleure pas, maman va s'occuper de ça. Apportez-les, tout de suite. Et ça, c'est pour toi. C'est un robot d'aide. Elle va t'aider à faire tes devoirs. Bonjour. Eh bien, je suis contente que tu l'aimes. Moi, je m'en vais. Oui. Je peux t'aider. Peux-tu faire mes devoirs à ma place? Bien sûr. Cool! Tu peux aussi faire ma rédaction? Oui. Et mieux que toi. Super! C'est fait. Ça s'est détaché. Comment? Je vais le faire mieux que toi. Maintenant, je vais jouer. Je vais le faire mieux que toi. Bon, bah, je vais dessiner alors. Je vais le faire mieux que toi. Enlever les feutres n'était pas nécessaire. Cool. Ma fille, tu dois avoir faim. Waouh. Ça ressemble pas à notre cantine. Cantine. Allez, allons nous asseoir. Caprese et roquette. Foie gras. Des capres et... Tu as choisi? Je vais prendre un verre d'eau. Cindy, ne sois pas timide. Elle prendra la même chose que nous. Une cuillère, fourchette. Merci. On n'a jamais utilisé ça, l'orphelinat. Qu'est-ce que cette sans-abri fait dans un restaurant hors de prix? Pourquoi serait-elle sans-abri? Peut-être parce qu'elle nous est venue du Moyen-Âge. Je suppose que j'ai pas ma place ici. Arrête. Oh.
que vous êtes en train de faire? Exactement. Que personne n'ose insulter la fille des millionnaires. Chérie, quelque chose ne va pas? C'est bon. Comment est-ce qu'on fait pour plaire à ses enfants? Là, j'ai compris. Et ce n'est pas ce que les enfants aiment. Quoi? C'est un restaurant de burgers? Pas n'importe lequel des restaurants de burgers. C'est ton affaire personnelle. Elle a l'appétit de sa mère. Comment ça? Je plaisantais, c'est tout. Que dirais-tu d'un burger aussi? D'accord. Et ça, c'est un diamant. Et ça, c'est un... un saphir, ma fille. Ah, les filles riches doivent le savoir. Je vous écoute. Tout ce que je vous ai demandé, c'est de couler les chaussures en or. Quel est le problème? Oh, chérie, je reviens tout de suite. Pourquoi apprendre tous ces noms quand on peut avoir tout? Est-ce que quelqu'un a dit aïe? Du calme, du calme, ne pleure pas. Papa va t'aider tout de suite. Du calme, ne panique pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Pour empêcher le bébé de pleurer, on doit lui mettre une couche. Quoi? Une couche? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chérie, je suis de retour, mais qu'est-ce qui se passe ici? Prenons un peu de bouillie. Et après la bouillie, on ira dormir. Ta-ta-ta-ta-ta. Que s'est-il passé? Je me suis coupé le doigt. C'est tout. Ah, merci, maman. Bon, je peux aller me promener? Oui. C'est aussi simple que ça? Tu dois simplement passer plus de temps avec l'enfant. Maman, papa, on prend le petit déjeuner? On est en retard pour le travail. Au revoir et ne fais pas de bêtises. Dans ce cas, je vais organiser un goûter avec mes amis. Votre thé, mademoiselle Cindy. Et voici pour vos amis. Ouais! En fait, monsieur Oggy-Woggy aime beaucoup le chocolat. Quoi? Et madame Longlegs dit qu'elle adore la marmelade. Quoi, monsieur Oggy-Woggy? Tu veux me donner tout au chocolat? D'accord. Dois-je nettoyer? Non, 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 je vais le faire. Il m'aurait donné un F pour ce genre de tâche à l'orphelinat. Je vais vous montrer. Allez. Est-ce que cette petite fille essaie de m'apprendre quelque chose? Silence, silence, regarde. Tu sais, j'ai une idée géniale. Mademoiselle Cindy, on nous a dit que vous aimiez jouer. Oui, mais j'ai personne avec qui jouer. Eh bien, laissez-nous jouer avec vous. Celle qui nettoie le mieux la maison gagne. J'adore faire le ménage. C'est le plus beau jour de l'année. Et puis, je lui ai dit je veux de l'or rose, pas de l'or blanc. Chérie, on en parle plus tard, j'ai un travail important à faire. Et tu te souviens de ce collier? Il est très beau. J'arrive pas à me concentrer. La présentation a lieu demain. C'est mieux. Salut! Je suis venue jouer. Je vais aller chercher maman. Alors, j'ai déjà joué avec maman. Tiens. Je vois que tu aimes dessiner. Oui, je vais te montrer.
Allez. Alors, papa, est-ce que mon dessin te ressemble? Oui, il manque juste les lunettes de millionnaire. Oui, papa, c'est vrai. Monsieur Alan, je peux vous voir? Je suis Monsieur Ewald. Oh, de l'argent, de l'argent, de l'argent! Oh. Vous êtes un excellent garde du corps, Monsieur Alan, mais vous êtes un très mauvais acteur. On ne m'a jamais dit ça quand je faisais du théâtre à l'école. Et mon père ne joue jamais avec moi. Oh. Monsieur Alan, et si c'était vous qui étiez mon père? On marcherait ensemble. Et je vous aimerais. On pourrait dessiner. Et vous seriez le meilleur père du monde. Quoi? Mais c'est moi ça. Je vais être le meilleur papa du monde. Et de toute façon, Monsieur Alan, vous semblez être occupé, non? Oui. Ah, alors, qu'est-ce que tu nous as dessiné là? Waouh, c'est magnifique. La seule chose qui manque, ce sont mes lunettes. C'est vrai. Bonjour à moi. Oh non! Joyeux anniversaire à moi! Ouais! Ouh! La 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 la! J'adore ce jour! Ouh! Oh! Surtout dans une maison de millionnaire! Voici mes parents bien-aimés! Joyeux anniversaire, ma fille! Tu cherches un cadeau? Le voici! Oh, non mais où est papa? Ouvrez votre cadeau, mademoiselle Cindy. C'est magnifique, mais où est papa? Maman! Regardons ensemble. Bonjour ma chérie, je suis en voyage d'affaires. Des affaires de millionnaire, tu sais. Mais ta mère et moi, on peut t'offrir des cadeaux comme celui-ci. Tu aimes ton ordinateur portable? Je n'ai pas besoin de cadeaux coûteux si mes parents ne sont pas là. Il ferait mieux d'adopter son entreprise de millionnaire. Monsieur le pilote, faites demi-tour. Je ne pouvais pas te laisser sans attention, ma fille. Chérie, tu as fait ce qu'il fallait. Oh, quelle belle famille. Venez ici.